toza kobeta maboko tambo sala nzamba zako yaka bibe. L'exaucement de tes prières, toutes les pensées négatives, alors que tu es concentré, comme la Bible dit dans Hébreux chapitre 12, verset 2, tu fixes ton regard vers Christ, Jésus, le chef de l'Église, le consommateur de ta foi. Consommateur. Fixe ton regard. Ne regarde pas la personne qui est à tes côtés. Non. Elle aussi, elle est venue pour prier pour quelqu'un. Parce que le thème, c'est prier pour nous. Oui, tu es là pour prier pour la situation de quelqu'un. Tu ne vas pas regarder les problèmes. Tu ne vas pas regarder la circonstance. Mais tu regardes le résultat de ce que tu as fait. Le Dieu de toutes les possibilités. La Bible dit, là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. C'est dans Psaume 133. Là où il y a l'unité, il y a la bénédiction. Nous devons donc unir, faire de sorte que nous ayons une seule foi. Une seule foi. Et la foi qui perce, la foi qui te permet de recevoir ce que Jésus t'a déjà donné sur la croix. Tu devras avoir une foi tétinestaille. Est-ce que tu es venu pour l'adorer? Je lève mes yeux. Concentre-toi. Vers les montagnes. Concentre-toi, mon frère, ma soeur. Rien que par cette adoration, tu vas trouver solution. Reproche-toi. J'ai prêché. Chaude. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Ma force terrestre, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Mais voici pour toi.
toi. Oh Jésus, je garde ma vie dans Il y a des Sida. Et toi, le dit matin. Le soir, je reçois la puissance, la louange, la lumière, la sagesse, Oh, la force, l'honneur et la gloire. Résultat que Dieu est en train de donner à nous.
sabre de nos ondes, et blessé de laisser chapitre 18 au verset 18 il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Tu vas prier pour quelqu'un qui est lié, tous les membres de ta famille qui sont liés. Si tu es ici, mon frère, ma soeur, c'est pour les délier. Et ce que tu vas délier aujourd'hui, les personnes que tu vas délier aujourd'hui, seront réellement déliées. Ne change pas d'atmosphère. Au contraire, monte de nous. Oui. Élie. Élie. Ne restez pas assis, mon frère, ma soeur. Oui, tu es en train de délier quelqu'un. Une personne de ta famille, un membre de ta famille qui était enchaîné des années, qui est resté captif, emprisonné dans les eaux, emprisonné dans des rochers, emprisonné dans des forêts, dans la forêt équatorienne, dans des forêts amazoniques, partout. Si tu es là ce soir, c'est pour le délire. Et cette personne dit, yes. Elia, 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 Elia. J'attendais juste à ce que ta gloire
Tu vas lier toute mauvaise langue. Tu vas lier toutes les mauvaises langues. Tu vas lier toutes les mauvaises énergies. Toutes les énergies négatives. Toute interaction négative dans ta famille, dans la vie de tes proches. Ne t'arrête pas. Tu restes dans cette atmosphère. Alors que le Saint-Esprit qui est en toi, il est en train d'intercéder pour toi. Il te donne les mots appropriés, juste pour que Dieu t'écoute. Ne t'arrête pas. Robro, rendreché, rebe, rebe le chenda. Rosho, rochondrolo, rochondrolo. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Tu vas lier toutes les mauvaises langues. Tu vas lier toutes les puissances de l'ennemi. Oui, oui, mon frère, ma soeur. Tu vas lier. Parce que ce que tu lis maintenant, ce que tu lis aujourd'hui, ce que tu lis ce soir, et sous le ciel, dans les cieux, tout sera aussi lié. Dans le nom de Jésus-Christ. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Lis avec énergie. Il est en train d'agir. Yeah.
La parole. Dans Psaume 27, le premier et le troisième, le premier, deuxième et troisième verset. On écoute la parole de Dieu. Nous lisons. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée campait contre moi, mon cœur n'aura aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Alléluia. La première phrase, la première ligne dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. Comme l'Éternel est ta lumière, tu vas déclarer la lumière dans la vie de ta famille. Parce que si l'Éternel est ta lumière, donc ta lumière va éclairer dans ta famille. Tu déclares la lumière dans ta famille, la lumière dans la vie de tous ceux qui espèrent aujourd'hui à ta prière de ce soir. Si quelqu'un était dans l'obscurité, tu connais la personne qui se trouve dans l'obscurité, dans ta famille. Tu connais tous ceux qui n'ont pas encore le salut, parce que toi, l'Éternel est ton salut, parce que tu as été sauvé et que tu sauves quelqu'un aujourd'hui. Tu cherches dans ta famille les gens qui ne sont pas encore sauvés. C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas encore, ceux qui n'ont pas reçu Jésus-Christ jusqu'aujourd'hui comme leur Seigneur et Sauveur. Déclare la lumière dans leur vie. Qu'ils soient touchés aujourd'hui. Et maintenant, oui, ça se passe maintenant. Qu'ils soient touchés, touchés par la lumière de ton Dieu. Élève ta voix mon frère, ma soeur, élève ta voix. Envoie la lumière, envoie la lumière. Et qu'une personne dans ta famille, personne dans ta famille, parce que dans Jean chapitre 1, la Bible dit, ils n'ont pas reçu la lumière, ils ont rejeté la lumière. Mais à tous ceux qui ont reçu la lumière, au verset 12, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Oui, mon frère, oui, ma soeur, sauve quelqu'un ce soir. Il a dit, j'ai besoin de ta prière. Oui, prie pour moi. Cette personne ne t'a pas dit officiellement, mais son comportement, ses difficultés te parlent. Ses problèmes te parlent ce soir. Et te dit, oui, mon frère, ma soeur, prie pour moi. Prie, prie pour moi. Envoie la lumière que tu as reçue. Qui est Jésus-Christ? Oui, Jésus-Christ va te toucher. Parce que tu as dit, ce que tu délies aujourd'hui sera délié au ciel. Ce que tu lis aujourd'hui sur terre sera lié dans les cieux. Alors que tu envoies la lumière dans la vie d'une personne. Tu envoies le salut, oui, le salut dans la vie d'une personne. Parce que toi, tu es sauvé. Zela oyo na bilaka na kukeni lisusu apie yoni maloba ya bomoi itamoli na nga na
Yonde pole nanga Oyona tela kamotema Yonde mwinda nanga Sela oyona bilaka Nakukende lisusu wake Yonde maloba ya bomo Etamolina nana seata oyo Mamina yokolo yonde pole Alleluia Yahweh nanga Mokama kabomo inanga Yonswe zali pona yokolo Bomanga analonga Natambola kala sembo na yo Mwinda na yo enge gisa na ye Wombuko na ye kamanga ya we Mwinda na yo kitela na ye Wombuko na ye kamanga Yonde pole Alleluia Alleluia Onande La Bible dit encore, deuxième ligne, l'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Parce que l'Éternel est le soutien de ta vie. Tu vas déclarer que l'Éternel soit aussi le soutien des membres de ta famille. Soit aussi le soutien de la personne qui crie à toi. Oui, sauve-moi. Oui, prie pour moi. Que l'Éternel, aujourd'hui, la Bible dit dans Psaume 107, au verset 20, qu'il envoya sa parole et sa parole est guérie. Alors que tu vas envoyer ta parole de Dieu. Parce que l'Éternel est ton soutien. Qu'il soit le soutien de toute ta famille. Que l'Éternel soit aussi le soutien de tes frères, de tes sœurs, de tes beaux-frères, de tes belles-sœurs, de tes proches, de tes amis, de tes collègues de service. Qu'il soit leur soutien aussi. Élève ta voix. Oui. Élève ta voix, commence à prier. Prie pour le soutien. Que l'Éternel soit le soutien. Le soutien de ma famille. C'est lui qui te protège. Et que la peur se loigne de ceux qui n'arrivent pas à avancer vers Dieu. Élève ta voix, mon frère. Élève ta voix. Soutiens quelqu'un au travers de ta prière. Ne ferme pas ta bouche. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque en veut, on mangera des fruits. Oui, ne ferme pas ta bouche. Le salut de ton frère, le salut de tes soeurs, le salut de ta famille, le salut de tes amis passe aujourd'hui et ce soir par ta bouche. Oui, le salut passe par ta bouche. Ne ferme pas ta bouche, mon frère. Tu n'es pas venu ici pour assister. Tu n'es pas venu pour assister, mais pour participer. Oui. Ne doute pas, parce que la Bible dit, dans Matthieu chapitre 18, au verset 20, là où deux personnes ou trois se retrouvent pour le nom de Jésus, il est là. Et quand il est là, ce n'est pas pour te regarder. Il est là pour intervenir. Oui, alors donne-lui les paroles. Donne-lui le sujet. Donne-lui, oui, demande à Jésus de soutenir quelqu'un. De soutenir quelqu'un dans ta vie. Tu connais cette personne qui a besoin de ton soutien. Qui a besoin du soutien de Dieu. Oui mon frère, oui ma soeur. Prie. Il est là. Ton Seigneur est là. Le roi de gloire, le Seigneur de gloire. Il est là. Demande à ce que toutes les portes, le cœur de tes frères, de tes soeurs, ouvre leur linteau afin que le Seigneur de gloire fasse son entrée. Oui, au nom de Jésus-Christ. Rébré. Retrobro. Répréchez. Récréré. Rochebé. Réchebrachela. Au nom de Jésus-Christ. Oui, il est là. Il est là pour agir. Il est là pour agir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'hésite pas, mon frère. Alléluia. Au nom de.
Le psalmiste a continué et il dit, quand des méchants s'avancent contre moi, ce soir, ce n'est pas contre toi, c'est contre la personne qui attend tes prières. Pour dévorer sa chair, ce sont ses persécuteurs et ses ennemis, oui, qui chancèlent contre lui. Ses persécuteurs, tu vas prier à ce que les persécuteurs de la personne ou des personnes qui comptent sur toi, qui t'ont demandé d'intercéder pour eux ou pour elles ce soir, que ses ennemis ou leurs ennemis tombent, que leurs ennemis chancèlent aujourd'hui, que ses persécuteurs tombent. Si c'est la maladie va tomber ce soir. Si c'est le cancer va tomber ce soir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que sans la foi, personne ne peut être agréable à Dieu. Aujourd'hui, ce soir, Dieu n'a pas besoin de la grandeur, de la difficulté ou des complications, des problèmes de ton frère, de ta soeur. Mais Dieu a besoin de ta foi. Oui, il a besoin de ta foi. Oui, ma soeur, mon frère, Dieu a besoin de ta foi. Tu vas prier à ce que les persécuteurs, les ennemis, les méchants qui se dirigent contre ton frère, contre ta soeur, si c'est ta femme, si c'est ton mari, si c'est ton collègue de service, si c'est ton voisin dans le quartier, qui tombe au nom de Jésus-Christ. Qui tombe au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et prie. Déclare avec foi ces paroles. Alors que tu es assis, les ennemis sont en train de persécuter ton frère. Ses ennemis sont en train de l'angoisser. Si c'est le cancer est en train de prendre place. Si c'est le diabète est en train d'évoluer, de détruire. Oui, élève-toi et prie, 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 prie. Si c'est les maris de nuit ou les femmes de nuit, ils sont en train de prendre place dans la vie de quelqu'un. Mais toi, ce soir, l'occasion t'est donnée, mon frère, ma soeur, pour délivrer quelqu'un. Oui, brise ces jours. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Écoutons. La Bible dit, craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 10. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. 11. Chez moi, c'est 10. Donc, lis chez toi 11. Je relis. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Alléluia. Amen. Ça veut dire que toi qui es ici, tu seras privé d'aucun bien. Oui. Tu seras privé d'aucun bien. Et le bien de ce soir, que Dieu ne va pas te priver, c'est pour quelqu'un. Tu vas intercéder pour quelqu'un, c'est pas pour toi. Oui.
La Bible dit que celui qui arrose sera arrosé. Mais tu vas d'abord arroser quelqu'un ce soir. Tu vas prier parce que tu te confies à l'Éternel, comme la Bible dit dans Ésaïe chapitre 40 verset 31, que tous ceux qui se confient en l'Éternel, l'Éternel renouvelle leur force. Ça veut dire que si tu te confies à l'Éternel, l'Éternel te donne sa force et il prend tes faiblesses. Puis tu vas prier pour le bien de cette personne. Tu vas prier pour que la personne qui t'a dit « prie pour moi » qu'il ne soit pas dans le manque. Qu'il ne soit pas dans le manque. Que la présence de Dieu soit palpable dans la vie de quelqu'un. Voilà ce que tu vas, sur quoi tu vas prier. Ce dont tu vas prier pour ton proche, pour ton frère, pour ta soeur. La présence de Dieu soit palpable dans la vie de quelqu'un. Parce que toi, tu vas prier, parce que tu le demandes. Et Dieu va te l'accorder. Il a dit dans Matthieu chapitre 18, au verset 19, que si deux personnes, on est plus de deux, si deux personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose, mon Père qui est dans les cieux va leur donner. Alors on va s'accorder, on va voir une seule fois et prier pour la présence de Dieu. Que la présence de Dieu soit palpable. Que quelqu'un soit touché ce soir. Si cette personne est à l'hôpital, dirige tes pensées vers cet hôpital. Que la présence de Dieu se manifeste. Que la présence de Dieu soit manifeste dans la vie de quelqu'un. Mon frère, alors que tu es en train de prier, regarde le résultat. Ne doute point. N'aie pas crainte. Parce que la Bible dit, tous ceux qui n'ont pas peur, tous ceux qui se confient en l'Éternel, ils seront toujours rassasiés. Ils seront toujours rassasiés. On n'a pas précisé, ce n'est pas pour la nourriture, ce n'est pas pour la boisson, mais c'est pour les bonnes choses de Dieu. Et tu dois partager ça. Élève ta voix, mon frère, et prie. Prie pour une grâce particulière. Élève ta voix, prie pour une grâce particulière dans la vie de quelqu'un. Élève ta voix mon frère, élève ta voix ma soeur. Tu es ici pour cela. Tu es appelé ce soir pour sauver quelqu'un. Pendant que tu es en train de prier, il y a un bruit qui se fait quelque part. Ne t'arrête pas, parce que quand il y a un bruit, ça veut dire qu'il y a un mouvement. Il y a quelque chose qui se passe. Quelque chose qui se passe alors que tu es en train de prier. Oui, dans la vie de quelqu'un, quelque chose se passe. Quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Alléluia, alléluia. Oui, oui, oui. Au nom de Josué chapitre 1, le verset 5. Ça, c'est pour nous.
pour vous qui êtes ici présents. Nous allons prier par rapport à ce verset. Maintenant que tu as arrosé, toi, les écluses du ciel vont s'ouvrir maintenant pour toi. Tu vas t'approprier ces paroles. Tu vas faire. Là où on dit Josué, c'est toi, tu remplaces par ton nom. Alléluia. Nous lisons. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Alléluia. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Tu vas prier. On a dit, nul. Lève ta voix et prie pour que dans ta vie, en ce moment, pour tout ce que tu es en train d'entreprendre, parce que c'est ton année, que nul ne tienne devant toi. Que nul ne tienne devant tes entreprises. Que nul ne tienne devant tes projets, devant tes rêves, devant les promesses de Dieu dans ta vie. Que nul ne tienne devant toi. Élève ta voix et prie, mon frère, ma soeur. Oui, que nul ne tienne devant toi. Dieu l'a dit. Ce n'est pas une personne qui doit le dire. C'est Dieu. Et cette parole te concerne, mon frère. Cette parole te concerne, ma soeur. De Jésus. Que nul ne tienne devant moi, Seigneur Dieu. Même pas le péché. Oui, même pas le péché. Que le péché ne tienne pas devant toi. Que la tentation ne tienne pas devant toi. Que la maladie ne tienne pas devant toi. Tant que tu vivras. Aucune malédiction, aucune mauvaise langue ne tienne devant toi. Aucune pensée mauvaise ne tient devant toi. Tant que tu vivras, oui. Que nous ne tient devant toi. Que nous ne tient devant ton épouse, devant ton époux. Que nous ne tient devant tes amis, devant tes enfants, dans leur vie. Que nous ne tient devant un membre de ta famille. Et que cette année soit réellement ton année. Aucune tragédie, aucun accident, aucun fléau, même pas le retour de corps du coronavirus ne tiendra devant toi. Nul, quand on dit nul, nul, oui. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Maintenant, tu vas te lever pour dire merci à Dieu parce qu'il a dit qu'il sera toujours avec toi, qu'il ne va pas t'abandonner. Ça veut dire que tu n'abandonneras pas ta foi. Tu vas juste dire merci à Dieu. Oui, élève-toi. Sois mes fautes. Tu es mort sur la croix pour moi. Tu as pris mes péchés passés, mes péchés d'aujourd'hui, les péchés à venir, Seigneur Dieu. Tu m'as pardonné, Seigneur Dieu. Et tu dis que tout concourt pour mon bien. C'est pour cela, Seigneur Dieu, je te remercie. Et je t'acclame, Seigneur Dieu. Je t'acclame, Père. Je t'acclame, je t'acclame. Je pousse des cris de joie. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Si quelqu'un croit que Dieu l'a entendu, Dieu l'a écouté,
et que Dieu l'a exaucé, qu'il acclame très fort. Alléluia. Prière de vous asseoir. Je n'ai pas vu comment Dieu est en train de faire au travers de ses prières, mais je crois fortement que Dieu a fait quelque chose. Oui, moi je crois fortement. Voilà, donc nous avons fini pour ce soir. On a commencé hier l'intercession. Les intercesseurs vont encore se retrouver vendredi, de 19h à 20h, les intercesseurs. Et samedi, on se retrouve ici pour le culte d'enseignement. Alléluia. Il y a quelqu'un, ceux ou celles qui sont arrivés pour la première fois, qu'ils se mettent debout. Comme ça, on va les recevoir à notre manière. Saluez-vous. Et encore le frère. Dites bonjour, saluez les frères qui sont là, vous qui êtes proches. Recevez-le au nom de Jésus-Christ. Il y a toujours une première fois à toute chose, mais il n'y a jamais un sans deux. Vous êtes chez vous, vous savez, on a prié seulement au nom de Jésus. Donc chaque mercredi, on se retrouve ici pour prier et avoir une dose supplémentaire de notre foi. Le samedi, c'est un culte d'adoration et d'enseignement. Il commence à 7h30 et finit à 10h30. Il y a une montre. Depuis qu'on a placé cette montre, je suis très discipliné. On essaie de respecter. Sauf si vous arrivez en retard. Moi, je respecte le temps. Généralement. On a pour la Pâque. La Pâque, c'est le 9 avril. On va donc donner encore le programme pour ceux qui ont raté le baptême dans les eaux. Le baptême d'eau, on va encore le faire pendant la Pâque, la période de la Pâque. Il y a aussi une formation en informatique qui est prévue pour le mois de mars, qui va commencer certainement à partir du 8 au 8, 8 mars jusqu'au 8 avril. Et le 9, c'est la Pâque. Alléluia. Je crois que d'ici samedi, on donnera le programme. Et ceux qui seront intéressés, ils vont déjà commencer à s'inscrire auprès de la sœur Sylvie. Formation en informatique, il y aura la théorie, les bases et puis la pratique sur l'informatique. L'Assemblée des Saints, c'est la pratique aussi de la parole. Alléluia. C'est aussi la pratique. Et après, vous savez, les sœurs qui sont là, les mamans, vous avez votre programme, les mamans, qui va certainement aussi commencer au mois de mars, qui est le troisième mois. Amen. On dit Sambila Sala. Sala Sambila. Oui. On ne peut pas seulement croiser les bras, dire que j'ai prié Dieu. Non, s'il y a la possibilité, Dieu t'a donné la capacité de faire quelque chose. Il y aura des formations en menuiserie, il y aura des formations en beaucoup de choses. Donc cette année, que quelqu'un dise oui, c'est vraiment mon année. Alléluia.
On va se lever pour prier. Notre sœur qui est arrivée pour la première fois revient de Toulouse. Depuis Toulouse, elle nous suit sur YouTube. Est-ce qu'on peut encore acclamer ce coup? Et j'espère que pendant son séjour ici, elle sera toujours parmi nous, le mercredi, le samedi. Amen. Tu vas faire asseoir ta prière de ce soir. Nous allons clôturer. Comme tu avais demandé à Ézéchiel, dans Ézéchiel 37, est-ce que ces eaux peuvent-ils encore avoir vie? Ses ossements desséchés. Il a dit, Seigneur, tu le sais. Il a prophétisé. Tu dois conclure ta prière par ces prophéties que toi, tu vas faire dans ta vie, dans la vie de la personne à qui tu as prié, dans la vie de ta famille, dans la vie de tes enfants. Élève ta voix et dis quelque chose. Déclare ce qui n'existe pas et ça va exister dans l'heure. Merci pour ces moments merveilleux passés ensemble avec toi. Toi qui es si bon, si merveilleux, merci d'avoir rendu cela possible. Nous te disons merci pour l'exaucement de nos prières. Merci d'avoir accompli, Seigneur Dieu, cette promesse, Seigneur Dieu. Oui. Tu as déclaré dans Jean chapitre 15 verset 5 que sans toi nous ne pouvons rien. Mais tu l'as dit aussi dans Psaume 60 verset 12 qu'avec toi nous ferons des exploits. Nous venons de faire des exploits ensemble avec toi parce que tu es avec nous. Comment ne pas te louer, ô Dieu de gloire? Comment ne pas t'adorer, Seigneur Jésus? Nous t'acclamons, Père, parce que tu es merveilleux. Nous te rendons grâce, Seigneur. Merci pour nos frères. Mais tu as déclaré dans le livre de Jacques que celui qui arrose sera arrosé. Laisse que tes enfants soient arrosés de toutes tes bénédictions, Seigneur Dieu. Merci de les localiser, Père éternel, de localiser leur famille et de transformer. Tout ce qui était impossible devient possible dans leur vie.
Je recommande le chemin de retour, Père éternel, de tes enfants en destin. Parce que tu vis au-dedans d'eux. Laisse que tes anges, le deux tiers des anges qui sont avec toi, qui sont avec nous, les accompagnent. Et que ta gloire soit manifeste dans leur vie, aujourd'hui et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Nous disons trois fois Amen, 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 Amen. Nous acclamons notre Dieu. Le frère et la sœur vont rester un peu à son côté. The whole earth shakes.